Donc CGI, c'est vraiment intéressant. Et c'est un petit peu vieux, comme on va le voir. Et il y a des bons côtés, des mauvais côtés qu'on va regarder ensemble, je vous propose. Donc je vais commencer par qu'est-ce que c'est CGI? Je sais pas si. Enfin, je pense que vu le niveau des gens, tout le monde doit connaître. Mais comme c'est effectivement un petit peu vieux, on va un petit peu se rafraîchir les mémoires. Et après, on va voir qu'il est effectivement toujours présent et que, il a quand même de gros soucis, mais ce n'est pas forcément ce qu'on imagine tout de suite. Et voilà, après, on va parler de ce qu'on peut faire à côté et qu'est-ce qu'on a exactement fait sur Munin. Je sais que Munin, on vous en a un petit peu parlé hier, de façon, j'espère, sympathique. Après, bon. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à la fin. Je vais réserver quelques minutes à la fin pour si jamais il y en a. Je vous propose de commencer. Alors, qu'est-ce que c'est CGI? En fait, c'est la première norme. Donc, il y a beaucoup de possibilités d'exécuter du code côté serveur. Enfin, on parle d'il y a longtemps. Hein. C'était avant 2000, hein, donc c'est presque la préhistoire. Mais c'était la première norme pour exécuter du code côté serveur. Il y avait vraiment une philosophie très 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 simple pour pouvoir exécuter vraiment n'importe quoi dans n'importe quel langage. Et avec, enfin, du coup, tout le monde pouvait utiliser le langage qui préférait. Et comme le principe du CGI, c'est le principe d'Unix, à savoir, bah, il lance un process et une fois que la requête est terminée, il éteint le process. On avait un garbage collecting qui était vraiment, vraiment, vraiment efficace, parce que ça s'appuyait sur suite de l'OS qui, globalement, marche bien. Nous, dans un monde Perl, quand on parle de CGI, c'est très, très souvent CGI.PM, parce que, bon, enfin, en gros, il y a d'autres librairies CGI, mais globalement, plus personne n'utilise. Déjà, CGI.PM, il n'y aura plus grand monde. En fait, CGI c'est plein 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 d'autres choses à part CGI.PM, mais pour des gens qui sont pas en Perl. D'ailleurs, le CGI le plus utilisé c'est en BinSH. Ça vient surtout du monde de l'embarqué parce que bah, BinSH c'est très léger et dans le monde de l'embarqué il y a BusyBox. Je pense que quelqu'un va parler de l'embarqué cet après-midi. Et il y a BusyBox, il contient un serveur HTTPD embarqué à l'intérieur et il supporte le CGI, donc on peut instancier très 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 légèrement du CGI. Et on peut imaginer que 95% des box réseau, donc que ce soit ADSL, des box de médias, même les télés, quand il y a une interface d'administration web, très souvent c'est du CGI en BinSH. Pas toujours, mais très souvent. Parce que évidemment, là, ce qui est vraiment intéressant pour eux, c'est l'empreinte mémoire qui est faible et le garbage collecting qui est très efficace, parce qu'on n'a pas envie de rebooter sa box toutes les 3 semaines parce que l'interface d'admin ne marche plus. Et donc, voilà, c'est pour ça que c'est toujours là. Effectivement, j'en ai déjà parlé un petit peu avant. Et je m'attarderai juste sur le dernier point. En fait, développer avec CGI.PM, c'est vraiment très très facile. Alors, ça a un peu choqué les gens qui sont habitués à des frameworks un petit peu plus modernes. Mais en gros, pour quelqu'un qui connaît rien, CGI.PM, c'est vraiment très 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 simple à faire des petites choses. Les choses complexes, évidemment, ça devient très vite difficile, mais les toutes petites choses, c'est vraiment vraiment simple. Et en fait, 95% des besoins des gens, c'est des petites choses. Genre, ils vont pas faire des grosses grosses applis tout de suite, quoi. Voilà. Donc, oui, le dernier point, CGI.PM, ce qu'on utilise, c'est surtout la réception et le parsing des infos. C'est pas vraiment le langage de type-printing qui est intégré à CGI.PM. Parce que celui-là, effectivement, il est un petit peu limité. Et on peut l'associer très facilement à d'autres langages de templating, vu que CGI.PM, il fait, enfin, c'est juste un appel de fonction. Donc, on va passer sur les faiblesses. Donc, les faiblesses, c'est CGI, on pense qu'il est lent.
C'est pas forcément vrai. En fait, quand on exécute du code en BinSH, c'est relativement rapide. Parce qu'en fait, de toute façon, surtout dans l'embarqué BinSH, BusyBox, il contient, si c'est lui qui fait le serveur HTTP, BinSH, il est aussi dans BusyBox et il est déjà instancié. Donc il n'y a pas de souci. Et pour d'autres problématiques qui ont plus de durée de vie, on peut utiliser des techniques maintenant qui s'appellent FastCGI. Vous ne lancez plus un process à chaque fois que vous faites une requête, mais en fait on fait plusieurs requêtes avec le même process. En fait, c'est pareil que Persistent Perl, si vous connaissez. Donc on pense aussi que souvent on dit que c'est difficile à débugger, en fait pas tellement. Le fait que ce soit un seul process qui se lance et qui s'arrête, c'est assez simple, il suffit de l'embarquer dans un petit script shell qui positionne les bonnes variables d'environnement qui vont bien et qui lance le process, et du coup débugger, ça se débug très 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 bien parce que une requête unitaire, on peut le débugger en ligne de commande, on n'a même pas besoin de serveur web. Donc on n'a pas besoin de clients, on n'a pas besoin de tout ça. Souvent, un des autres problèmes, c'est au niveau de la sécurité, surtout sur Unix, c'est l'UID dépend du serveur web, parce que très souvent, c'est le serveur web qui va instancier les process CGI. Et donc ça, en fait, on a des mécaniques qui s'appellent SUExec, qu'on n'a pas vraiment, vraiment envie d'utiliser. On a des conteneurs FastCGI qu'on peut lancer à côté, et que du coup, ils vont se connecter soit via des sockets, soit via du TCP. Et donc du coup, au final, c'est pas vraiment un souci. Voilà. Par contre, on a des vraies faiblesses de CGI qu'on ne soupçonne pas trop en termes de développement, mais qu'en fait, en étant gestionnaire d'une application open source, en fait, on a envie que les gens l'installent. Et du coup, le problème de CGI, c'est plutôt l'installation. Elle est très 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 compliquée parce que ce qui marche très souvent sur un serveur, ne marche pas sur d'autres, parce que le problème, c'est que les gens, ils ont toujours des configs très 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 compliqués. Et la config CGI, elle est vraiment très fragile avec les configurations exotiques. Parce que ce que je disais, les configurations exotiques, si on n'avait qu'un seul serveur web avec qu'une seule config toujours installée de la distrib, c'est super facile. Mais comme les gens, ils ont besoin d'avoir. Ils ont des besoins différents, donc ils utilisent des serveurs différents. Et la promesse de CGI qui dit que ça marche avec n'importe quel serveur web, la vérité est que, effectivement, ça marche, mais c'est pas forcément aussi simple à mettre en œuvre que ce que la promesse laisserait entendre. Typiquement, un des gros serveurs web qui a le vent en poupe en ce moment, c'est NGX. Et lui, typiquement, il ne supporte pas le CGI brut, il supporte que le Fast CGI. Mais à la fin, en fait, tout le monde arrive à Unix, c'est un peu compliqué, et puis on met chmod 777, et puis du coup, ça va vite, c'est facile. Ce qui correspond pas tout à fait à la problématique de sécurité de façon efficace qu'on avait avant, mais qui correspond bien au problème qu'on avait identifié avant, comme quoi il y avait des problématiques de sécurité. Donc les solutions actuelles, c'est plutôt du reverse proxy, plutôt que du FastCGI ou même des choses qui existent, genre PSGI ou des choses comme ça. Parce qu'en fait, le reverse proxy, maintenant, quasiment tout le monde sait en faire. Et ça permet en fait, c'est vraiment le niveau le plus bas de communication entre serveurs. Tout le monde sait faire des reverse proxy avec, vous avez... soit des accélérateurs de vent, soit du CDN, soit vous avez vraiment une possibilité assez grande de choses. Et surtout le CGI maintenant, il est plus du tout supporté par les hébergeurs très très peu, alors qu'avant il y a 10 ans c'était beaucoup plus le cas. Et donc voilà, donc ça c'est une des vraies faiblesses. Donc pour le déployer à grande échelle sans avoir son infrastructure, c'est un petit peu compliqué. Donc sinon, il y a effectivement des alternatives à CGI. Il y a Catalyst, je ne vais pas en parler.
Disons que la dernière fois que j'ai essayé, en fait, il voulait me télécharger tout Internet. Et donc, du coup, j'ai dit non, peut-être pas. Donc voilà, enfin, en termes de développement, ça a l'air vraiment bien. Mais en termes, moi, mon souci, c'est vraiment l'installation. Si vous demandez à chaque fois aux gens d'installer tout Internet, vous aurez vite des problématiques parce que plus vous installez de choses, plus vous aurez de configs différentes. Parce qu'il y a quelqu'un qui a installé la version X de cette librairie et que 5 minutes après, il y a quelqu'un d'autre qui a installé la version Y. Et enfin, plus vous avez de dépendances, plus vous avez de problématiques d'installation derrière. Mais on est en perle, Internet, c'est pas, non? Ah bon? Alors, honnêtement, ça fait longtemps que j'ai pas fait de KTI, j'en ai fait très très peu. Et je me suis vraiment arrêté à il faut télécharger vraiment vraiment beaucoup de choses. Et en gros, le process de téléchargement automatique, il a planté, j'ai essayé un petit peu, mais j'ai laissé tomber assez rapidement. Sinon, il y a Dancer qui existe pas mal, hein, je vais pas trop en parler parce que j'ai pas trop essayé non plus. Mais surtout, en fait, Luc m'a bien bien forcé la main pour essayer Mojo, hein, comme il sait bien faire. Et en fait, il a eu globalement raison. Alors, je ne sais pas si Mojo et Dancer, je ne sais pas lequel mieux. Il se trouve que moi, j'ai essayé Mojo. Et donc, voilà. En gros, de toute façon, c'est vraiment beaucoup plus moderne que CJ.PM. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui changent. Moi, je serais tenté de dire, vu de ma fenêtre, de ce que j'ai vu au niveau de la doc de Mojo et de Dancer, c'est globalement le même esprit. C'est pas tout à fait la même chose, mais c'est presque le même esprit. Et par contre, il y a un gros gros point faible, hein, c'est pas compatible avec Perl 5.8. Donc, qui c'est qui utilise encore Perl 5.8 dans la salle? Eh oui. Eh oui. C'est. Voilà, c'est un peu le. Bah en fait, alors ce passé d'utilisateur, en ce moment, Perl arrive un peu bien, mais. Mais bon, alors, moi j'essaye de ne pas le faire. Et donc voilà, c'est pour ça que je supporte encore, dans Minin, on supporte encore Perl 5.8. Ça a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de problématiques. À savoir que, du coup, le résultat, c'est vraiment, on est obligé de conserver CJ.PM avec un enrobage HTTP. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée c'est, il faut vraiment éviter de demander à l'utilisateur d'installer du CGI, surtout ceux qui sont en Red Hat 5, parce que de toute façon, ils ne savent pas trop installer les choses. Parce qu'ils n'ont pas le choix, donc ils installent un peu ce qu'on leur a demandé d'installer. Donc souvent, ce n'est pas ceux qui ont vraiment le choix et qui peuvent vraiment, vraiment faire ce qu'ils veulent. Et donc, par contre, ce qu'on peut faire, c'est. On peut embarquer un serveur web avec l'application. C'est-à-dire que l'application est supportée qu'avec ce serveur web. Mais du coup, il faut demander à installer. Donc, pour nous, le choix, ça a été Apache, parce que c'est souvent les gens qui sont en Perl 5.8, ils connaissent pas trop les trucs modernes. Et donc Apache, ça leur va très bien. Et donc, du coup, on peut forcer complètement l'install et d'Apache et du conteneur FastCGI. Et voilà. Donc, ça c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est on peut aussi faire une espèce d'enrobage et coder une espèce de conteneur FastCGI qui fasse directement du HTTP. Mais pour l'instant, moi je trouve que. Enfin, demander à installer Apache, qui s'installe quand même relativement bien à partir d'un package ou n'importe quoi, ou avec une config vraiment à part, ça marche quand même relativement bien.
Je ne sais pas si des gens ont des expériences d'install d'Apache en dehors, enfin un autre Apache que celui du système. Mais moi, je trouve que ça marche quand même relativement bien pour les gens qui ont, pour les utilisateurs qui n'ont pas vraiment le choix, en fait. C'est surtout ça. Donc voilà, donc nous ce qu'on va faire, c'est support d'un nombre limité de serveurs web, genre 1, en fait, donc, 1 étant assez limité. Soit on l'installe en embarqué pour ne pas utiliser celui du système. Une autre possibilité, c'est utiliser celui du système, mais avoir une conf complètement à part. Avec Apache, ça se fait assez bien, en fait. Il suffit de faire un script init avec préciser un autre fichier de conf, et hop, c'est un petit peu rapide. Et du coup, il y a une autre idée, c'est sur les distributions qui sont un peu plus modernes que Red Hat 5, on peut déléguer toute la conf de la partie CGI ou FastCGI au packager. Le souci, c'est que ça marche relativement bien avec certaines distributions, ça marche moins bien avec d'autres. Ça oscille un peu avec la vitalité des distributions. En gros, enfin. Trouver des gens qui font du, enfin trouver des mainteneurs qui font du Arch Linux, c'est un petit peu plus compliqué que trouver des mainteneurs qui font du Debian, mais bon, ça c'est un autre point. Et après, moi je me suis heurté à un petit mur, c'est trouver des mainteneurs de système BSD, que ce soit FreeBSD, NetBSD ou autre chose, c'est assez compliqué parce qu'en fait il n'y en a pas vraiment beaucoup. Et donc voilà, en fait, en gros, pour le avant de les joindre, il faut les trouver et c'est un peu compliqué. L'autre pendant, c'est du coup, moi j'ai quand même fait pas mal de développements expérimentaux sur Mojo. Pour l'instant, c'est que l'API JSON, mais c'est vraiment sympa. Je sais pas si vous êtes. Je sais pas si vous en avez un petit peu fait, si vous n'en avez pas fait, essayez. Juste pour essayer. Bon, faites attention, hein, essayez d'avoir un petit peu de temps derrière parce que ça prend vite. On s'y prend vite au jeu, donc c'est vraiment bien. Et donc, l'autre point, c'est vraiment pour bénéficier justement de Mojo. Autant on peut installer un Apache en local, autant on peut aussi demander à installer un Perl moderne en local. Et donc l'idée, c'est des fois ça paraît plus simple. Dans certains cas, ça paraît beaucoup plus simple d'installer un Perl en local, parce que en fait, avec tout ce qui est comme Perl Brew et des choses comme ça, c'est quand même relativement efficace. Et surtout maintenant, en fait, les jeunes d'aujourd'hui, faire un curl GitHub app balancé dans les SH, c'est leur plus de problème. Ça, c'est sympa. Demander à tous les gens qui font du Node.js et compagnie, c'est vraiment vraiment sympa, quoi. Comme méthode de distribution, moi, je trouve ça pas mal. Mais bon, je vois qu'il y a des gens qui sourient dans la salle. Je pense qu'on s'est compris. Voilà, donc après j'arrive à la conclusion. Donc c'était très rapide parce qu'on a commencé un peu tardivement. Et puis moi j'ai pas beaucoup eu le temps de préparer les slides, donc c'est nickel. Et donc du coup, effectivement, le CGI devient vraiment un handicap. Mais c'est un handicap pas vraiment en termes de développement. Mais c'est plutôt un handicap pour diffuser l'application largement. Effectivement, c'est une fois que c'est diffusé largement, le problème c'est que vous avez des utilisateurs. Et quand vous avez des utilisateurs, le problème c'est que vous avez des questions. Et quand vous avez des questions, le problème c'est que vous devez répondre, sinon l'utilisateur il n'est pas content et il s'en va. Et après, il ne revient plus. Et donc effectivement, on essaye d'avoir un petit peu d'attrait au niveau du utilisateur. Parce qu'on se dit que, enfin, surtout pour les projets open source, plus on est utilisateur, potentiellement, des fois, on aurait une ou deux personnes parmi le millier d'utilisateurs qui contribuera un petit peu. Et donc là, l'autre problème, c'est sur un projet open source qui est classifié comme en Perl, c'est un petit peu compliqué à faire venir les gens, parce qu'en fait ils considèrent le Perl un peu comme du cobol, hein, donc c'est un peu pas terrible. Surtout les jeunes qui ont été élevés au Node.js et autres. Deux?
Alors en fait, les jeunes, ils font de métrologie avec graphite, machin, enfin tous les trucs un peu rigolos. Donc ça marche vraiment bien, c'est vraiment eye candy. Par contre, je te mets au défi de faire un plugin CollectD en moins de 5 minutes. C'est juste pour la petite histoire. Ça s'améliore, enfin de ce côté-là, il s'améliore aussi énormément. Et du coup, Munin s'améliore aussi énormément en termes de scalabilité, ce que CollectD, lui, par contre, fait vraiment, vraiment très bien. Donc, le CGI, bon, c'est un peu mort pour ça. Donc, l'idée, c'est plutôt de passer dans un mode un petit peu plus haut et utiliser que du HTTP. Après, la techno derrière, qui est du Perl, du Java, du machin. Tout le monde s'en fiche, donc nous, ce sera plutôt Perl. Mais, en HTTP, utiliser un Perl en local, ça fait souvent moins peur que de faire une compig Apache, parce que les gens, ils font Apache, config, c'est compliqué. Exécuter des scripts qu'on a trouvés sur GitHub, c'est facile. Et aussi, passer les nouveaux développements de l'appli en Mojo, ça permet en fait d'avoir aussi un nouvel attrait parce que les gens ils trouvent que c'est plus sympa que de faire du CGI tout pourri. De toute façon, dans tout le truc j'ai parlé Mojo, bon ça pourrait se copier-coller avec un autre framework dont je tairai le nom. Et voilà, donc est-ce que vous avez des questions? Distribuer une application avec Perl qui est embarqué directement dedans. Est-ce que c'est pas plus simple que faire toutes les installs, tout ce qui va autour, quoi. C'est-à-dire on donne l'application et dans un répertoire il y a le Perl plus tous les modules s'il y en a 100 ou tout Internet, on s'en fout maintenant. Télécharger 100 mégas, 200 mégas, comme vous disiez, un utilisateur du moment qu'il lance deux commandes, ça lui suffit, quoi. Alors effectivement, embarquer Perl dans les packages d'installation de l'appli, ça commence à être une tendance qui me tente assez. Et après, pour l'instant, je préfère pousser l'approche package dans les distributions, parce que c'est quand même beaucoup plus simple à maintenir et tout ça. Mais pour adresser le marché du clic-bouton, effectivement, tout embarquer dans le même truc, même si ça fait 4 gigas, les gens ils s'en fichent. Pour une certaine définition de ça marche. Parce qu'en gros, enfin, je peux parler de mon expérience hein, sur le projet Fusion Inventory, où moi je me bats contre mes petits camarades qui disent oui, c'est super pratique, t'installes et ça marche. Le problème, c'est que les problèmes que les utilisateurs et qui te remontent sont plus des problèmes sur ton code. Mais c'est je comprends pas, j'ai une erreur inconnue, truc mûche dans l'exécutable, tu te retrouves à avoir des problèmes de distributeur et de packaging. Alors qu'à la base, tu développes un soft en Perl et tu es prêt à répondre à des questions sur Perl. Donc déjà, tu te retrouves avec des questions et des problèmes qui ne sont absolument pas ton domaine de compétences. La deuxième, c'est que autant ça va être jouable à peu près quand tu vas avoir des pactages, des dépenses Perl, pure Perl, parce que tu les ajoutes facilement à tes distributions. Alors quand tu as des pactages natifs à faire, il faut absolument que tu les compiles avec le même compilateur que celui qui a servi à faire ton runtime de Perl. Et alors quand tu veux distribuer sur du Solaris et tu as besoin de mettre IO socket SSL, tu as besoin du compilateur de propriétaire de Sun, parce que c'est lui qui a été utilisé pour le runtime Perl que tu distribues, sinon ça ne marche pas. Voilà. Donc en gros, tu vas résoudre un certain nombre de problèmes avec cette technique-là, et tu vas t'en attirer plein d'autres. Donc je pense, à mon sens, que cette méthode de distribuer un runtime, et donc de passer d'un monde où tu distribues du code source indépendant de la plateforme, si on est dans un cas simple, à celui où tu vas distribuer un binaire natif compilé, c'est à réserver uniquement aux plateformes qui n'ont pas de Perl natif à l'origine, c'est pour du Windows, voilà, ce genre de choses. Enfin, tu as le choix. Et donc effectivement, en fait, le point, c'est souvent les gens, les utilisateurs qui aiment bien avoir des packages, des choses toutes packagées, elles ont assez à peu près le même profil, à savoir elles n'ont pas des trucs vraiment exotiques. Souvent c'est Windows ou une certaine version Linux que je ne nommerai pas. Et donc voilà. Et donc en fait, si on supporte exclusivement ces deux-là, parce que du coup en fait les packages binaires, on peut dire on supporte ça, ça et ça.
Et ça, effectivement, après, on peut faire un système de distribution assez, assez aisé pour adresser ce besoin-là. Tout le reste, bah, ils utiliseront les mécanismes classiques de distribution de soft. Directement, prenez une VM, essayez-la, quoi, puis... Alors ça, ça effectivement, c'est quelque chose que j'ai pas encore essayé, parce que bon, pas surtout par manque de temps, parce que effectivement, comme disait, moi je fais du soft, je fais pas de la distrib, mais après, je comprends que passer un certain point, ça peut être attrayant. Après, faudra vraiment, c'est comme pour faire un exemple, que avant, à l'époque, j'étais un gros fervent utilisateur de Subversion, je ne sais pas si tout le monde connaît. On m'a un petit peu forcé la main en passant à Git. Bon, j'ai un peu pas gratté, mais... Mojo, c'était un peu pareil. Et donc peut-être que Docker... Comme c'est un petit peu le conteneur qui m'intéresserait le plus... ça pourrait être effectivement une solution, mais pour l'instant, je n'ai pas encore testé, donc je n'ai pas vraiment de retour sur l'expérience. Une solution d'appliance, hein, que ce soit une appliance virtuelle grâce à Docker, elle marchera très bien pour le serveur central. Tu as toujours besoin de l'agent sur la machine dont tu veux collecter les données. Exactement. Par principe. Donc tu peux résoudre une partie de ton problème de façon effectivement assez élégante, pas tout. Donc, ouais. Je pense surtout qu'il faut adapter un mode de distribution qui est adapté à son public cible. Exactement. Voilà. Pas forcément le plus élégant, mais celui qui est le moins susceptible de rencontrer des problèmes. Parce que ceux qui demandent des trucs les plus stouffés, c'est ceux qui ont les moins de compétences techniques. Et en fait, il faut savoir que Munin, je ne sais pas si Luc en a parlé, mais Munin, le principal utilisateur, c'est pas vous. C'est vraiment quelqu'un qui ne comprend rien à Perl déjà. Et qui a une machine à superviser parce que il a mis une machine dans le cloud et il voudrait la superviser. Donc, en gros, c'est ça. C'est, il a un master avec qui supervise lui-même et il veut avoir des graphes et c'est tout. Ça, c'est 90% des utilisateurs de Minim. Après, en fait, moi globalement, c'est vraiment ma cible, parce que en fait, ça, si je ciblais autre chose, je ciblais les grosses installs, les grosses choses, Minim n'existerait déjà plus, parce qu'il y a d'autres choses qui existent, qui sont vraiment plus scalables, qui sont vraiment mieux. Pour, enfin, Minim, c'est pas la panacée non plus, quoi. On le verra juste après-midi si. Si vous êtes encore vivant après-midi, mais effectivement, en fait, le gros problème de Munin, c'est la scalabilité. Et donc ça, on est en train de l'adresser progressivement. Mais il y a des choses comme CollectD, par exemple, qui sont bien, bien, bien plus scalables. Et ça, en entreprise, si vous avez, par exemple, 50 000 machines à superviser, mettez pas Munin. Hein. Enfin, ça, c'est mon avis. Moi, voilà. J'avais... Oui. Ah, pardon. Non, j'ai une question sur le FastCGI, en fait, parce que oui. Tu as proposé comme option d'utiliser un conteneur FastCGI, mais ça nécessite de modifier les CGI, puisque un CGI, tu ne peux pas l'exécuter en FastCGI sans le modifier. Ou c'est possible? Alors, en fait, il y a un module Perl, donc, je vais me concentrer sur Perl, et un module Perl qui s'appelle Fast ::CGI ou CGI ::Fast, je ne me rappelle plus, et en gros, en fait, il simule complètement CGI. Et en fait, c'est magique. C'est en fait, en gros, vous l'exécutez comme un script CGI. Et en fait, il va effacer toutes les variables. Enfin, il simule vraiment complètement la chose. Vous rajoutez juste votre code dans une boucle while. Et c'est bon. Donc, il y a des modifications de code, mais c'est vraiment minime. D'accord. Après, effectivement, si vous faites beaucoup de variables globales, ce que vous faites jamais, hein, on est d'accord, là, effectivement, il y aura des problèmes. Mais si vous codez relativement proprement,
comme ce que tout le monde fait, hein, évidemment. Effectivement, ça, la transition se fait assez rapidement. Par exemple, pour Munin, la transition de CGI vers face CGI, ça a été changer 3 lignes de code. Donc ça, c'était vraiment simple. Par contre, après, il y a eu d'autres soucis, à savoir l'utilisation de RRD et des choses comme ça, qui, elles, n'étaient pas vraiment compatibles avec le face CGI. Parce qu'en fait, face CGI, on ne recharge jamais rien. Parce qu'en fait, en gros, on charge au début la config, par exemple, et après, pour la recharger, en fait, il faut mettre en place tout un système de rechargement de config dont on va parler juste après. Pas d'autres questions ? Merci Steve.